Quelque part, dans une galaxie peu fréquentée, une planète comme une autre. Sur ce monde vivent des êtres pourvus de quatre membres, deux pour avancer ou reculer, les inférieurs, deux pour tuer, les supérieurs. L'homme. Principale ressource, la mort. Il en vit, il en meurt aussi. Dès son plus jeune âge, il s'entraîne. Il est généralement borné, mais doué. Et presque aussitôt, il passe à la pratique. L'homme s'est éteint, il allume la flamme. Puis, hébété, il regarde autour de lui, il médite, il regrette. Ce n'est pas tout d'accumuler des morts, encore faut-il savoir les honorer. L'homme, en effet, est un être respectueux, respectable même. Il se découvre, il salue, il défile. Il donne aux morts. Il prête aux vivants. Étrange, il reste toujours des vivants. Il en faut pour pouvoir recommencer. Que faire pour ces cadavres du futur? Leur donner l'oubli, donc des loisirs. Et que fait l'homme quand il ne tue pas ses semblables? Il tue ce qui lui ressemble le plus. Donc, il vise bien. Il tue tout ce qui mord, rue, fonce et souffle. Tout ce qui est agressif. Vainqueur, on l'acclame.
Vaincu, on le pleure. Entre deux guerres, entre deux chasses, il y a les temps morts. On les remplit comme on peut, à la sauvette, en humble bricoleur. Ciel, ma femme, mon mari, ma cousine, mon invité, tous les prétextes sont bons pour se faire la main. Chacun pour soi et les gros titres pour tous. Le crime ne paie pas, mais il rapporte. Parfois aussi, il mène loin. Ce qu'il faut, c'est soigner les détails, travailler dans le gros, oublier l'artisanat. Le troisième homme, le quatrième bras du décapité vivant, la septième victime, le treizième crime du sadique, le 42e barbu. L'homme au meurtre que la justice finit par s'en mêler. Les tueurs jugent les tueurs et les morts se lèvent pour offrir la tête de leurs bourreaux à d'autres bourreaux. Le monde, en effet, est un cercle vicieux. Je m'accuse, mon père, d'avoir été un homme. Je vous pardonne, mon fils.